Bonjour à vous les gars. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Shein. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, je suis en partenariat avec eux. Et donc du coup là j'ai tout ça à essayer. On va voir ce que ça va donner. Et on commence cette vidéo tout de suite. C'est parti, on déballe. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo. Un truc de malade mental. Hop là. On y va. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors j'ai commandé une brassière. Si, j'avais déjà testé les sous-vêtements de ces Shein, mais là je me suis dit que ce serait pas mal de tester une petite brassière de sport, tapta sportive. Je la trouvais super mignonne, elle est comme ceci au niveau du dos. De toute façon, je vais tout vous montrer, essayer. Par contre, il n'y avait pas de taille, si je dis pas de bêtises, et moi, ou alors j'ai pris la plus grande. J'ai pris en M. Pourquoi j'ai pas pris en L? Je sais pas. Bon, allez, on va essayer ça. Et pour information, vous avez l'habitude de me voir en maillot de bain, donc ça va pas vous choquer. Bonjour, le décolleté. Bon, j'ai un petit fil qui dépasse. Faut pas tirer sur les fils. Pourquoi je fais ça? Ah, c'est bon, il est parti tout seul. Un petit fil qui dépasse, c'est pas grave. Je pense que le L, ça va en fait. Par contre, ce qui est dommage de ouf, tu vois, c'est que on voit les coussinets. Et ça, c'est vraiment pas joli. C'est pas joli du tout. C'est dommage. Ce qui est pas mal au niveau du dos, c'est que t'as plusieurs... Tu vois, ça fait comme un soutif normal. T'as plusieurs degrés de fermeture. Je sais pas comment expliquer. Et je trouve que ça donne un petit dos super sympathique. Par contre, ouais, le côté on voit tes coussinets, c'est vraiment très très moche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve ça... Je trouve ça pas... Eh, on va pas partir en article super en déception, j'ai pas envie. Mais non, ça fait très 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 laid. Est-ce qu'on peut les enlever, ces coussinets là? On peut les enlever, mais là j'ai peur, attendez, parce que je vais pas vous choquer non plus. Ouais, non ça va. En fait, limite c'est mieux sans les coussinets parce que j'ai un téton qui pointe, mais on voit pas... On voit pas plus que ça le sein, donc non, c'est beaucoup mieux sans coussinet, mais par contre, c'est pas... tout le monde a déjà vu un téton qui pointe, mais tu vois, on n'a pas de... Ah non, on voit trop mon téton, là. Faut que je floute. Non, c'est un peu trop transparent, et le maintien est pas ouf, tu vois, ça fait quand même une poitrine tombante. C'est pas... Tu peux pas... Non, tu peux pas changer le truc. Donc non, la brassière, pas terrible pour ce côté, ce coussinet, là, je suis pas convaincue. C'est dommage. Par contre, le haut est très joli, donc tu vois, sur un truc pour essayer. Par contre, niveau maintien... Non. Fais pas ton sport avec ça, Bernabé, t'es pas prête. On va mettre le petit truc juste là, tu vois, pour éviter qu'on voit le nichon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Comme d'habitude, hein, les trucs qui me vont pas, je les mettrai sur mon Vinted. Maintenant, tu vois, je les mets avant mon Vinted, avant sur mon Vinted. Donc, si il y a des produits... Je vais faire encore une fois Spice Girl. Donc, s'il y a des produits qui t'intéressent et que tu veux que je te les offre, tu m'envoies un message et je te les mets sur 1€. Après, si comme certaines, gros bisous à Ange Nini, si comme certaines, tu veux les acheter au prix où je te les mets sur Vinted, Tid, libre à toi de faire ce que tu veux. Et moi, c'est plus simple pour moi. Donc, ensuite, j'ai pris un... Comment ça s'appelle? Oh, c'est compliqué là. C'est compliqué aujourd'hui. C'est un quoi? Un pantalon, mais c'est un jogging. Hein, un jogging. Alors par contre, c'est chiant. L'étiquette va à droite, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai pas l'impression. Je vais la mettre à gauche, moi. Je m'en fous, mais j'ai l'impression que l'étiquette, ça va à gauche. Donc, un petit jogging des familles. Hop, et pour information, le panier a été validé par mes collègues de bureau. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon. If you wanna be my lover, you're gonna be my friend. Il a pas de poche. Ça me perturbe, hein, pas de poche. Ouais, c'est vraiment un jogging pour faire du sport. Parce que, ouais, bon, après tu me diras, à l'origine, un jogging c'est pour faire du sport, sauf si t'es né en 1985 et puis que t'allais à l'école avec ça. Maintenant, je pense pas que les gens vont à l'école avec ça. Mais il est très très doux. Il est très très doux, mais voilà, c'est en mode caca-culotte. Hein. Mais j'aime bien. Et voilà, par contre, c'est chiant qu'il n'y ait pas de poche, moi ça me perturbe toujours. Ouais, bah pour faire. Presque une sportive. Non, nickel pour faire le sport. Alors moi personnellement, je préfère me mettre comme ça. Mais ouais, très très bien pour faire du sport.
avec la petite brassière et tout, ça peut le faire, mais ouais, ça va. L'ensemble est joli, mais c'est vraiment dommage que... j'aimais bien être enceinte. C'est vraiment dommage que la brassière soit aussi transparente. C'est fort, fort, fort dommage. On continue. Je pioche totalement au hasard les articles. Hop, pour essayer de vous faire une vidéo à peu près fluide. Ensuite, on a quoi? Oui, celui-là, j'ai déjà porté. Je t'avoue que j'ai déjà porté. C'est... Pardon, je tousse. Mais en fait, au travail, à chaque fois que je mets des gilets, ils se foutent de moi. Les filles se foutent de moi. Elles me disent que ça fait un peu mes merdes. Nanana. Et elle me dit, oui, mais prends des gilets plutôt longs et tout, ce sera mieux. Donc, j'ai trouvé ce petit gilet long. Et franchement, je suis super convaincue. La qualité, c'est un gilet vraiment tout doux. C'est top. Voilà. Je trouve ça nickel. Je le trouve très, très beau, ce petit gilet noir. Donc, je peux que vous inviter à l'acheter si vous aimez. Et les petites poches ici, mais je te déconseille de mettre des poches, ou alors le petit mouchoir de Robert, voilà, qui a un petit peu le nez qui coule. Mais sinon, mets pas ton téléphone et tout, parce que sinon ça va péter la ligne de ton gilet. Donc voilà, super super gilet, très très mignon, tout doux. Je ne peux que valider ce gilet qui, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà porté et je le valide à 200%. En plus, c'est une matière qui, pour une fois, va pas boulocher, parce que malgré tous vos conseils du monde sur les pulls et tout, j'ai toujours des bouloches, même avec les lavages à froid, à l'envers, machin, truc, j'ai toujours des couilles sur mes gilets et puis mes pulls chines. Ensuite, j'ai commandé cette robe Madoué Béniguette pompe à vélo. Elle va traîner par terre, cette robe serpillière. Comment elle se met? Alors, je pense qu'il y a une histoire de dos nu, je sais pas quoi. On va regarder ça. Ça va, derrière, ça se règle. Ok, je trouvais que la couleur était super jolie. À voir ce que ça va donner. Elle est doublée, mais est-ce qu'ils ont fait les radins? Est-ce qu'ils ont fait les radins pour pas doubler? Ah non, elle est pas doublée. Non, elle est pas doublée du tout. Non, je dis n'importe quoi, absolument pas doublé. Bon, allez, on essaye. Bon, j'ai pas de talons, on va lever les pieds comme ça. Mais allez, on a marre de me voir en soutif, on essaye. J'étais pas prête à me trouver aussi mignonnette dans cette petite robe. J'ai bien ajusté les bretelles. Franchement, je la trouve super jolie. Et je pense que c'est le genre de robe que tu peux mettre pour aller à un mariage. Après, elle me paraît pas trop décolletée. Ça va encore, mais après, à voir si ça bouge pas dans la soirée. Je sais qu'il y a des systèmes qui existent avec du double face que tu colles là, comme ça, t'es sûr que la robe, elle se fait pas la malle. Mais je la trouve super belle. Alors, je vais essayer de vous reculer un maximum pour que vous voyez bien. Je la trouve vraiment très, très, très jolie. Alors oui, elle traîne par terre. Même avec des chaussures, honnêtement, je pense que tu pourras pas... Enfin, moi, je fais 1m60, hein, mais elle sera obligée de traîner par terre si tu fais 1m60. Même avec des godasses, ouais. Mais je la trouve super belle. Je sais pas... Ça fait bizarre de se voir en mode... En mode cérémonie, mais j'aime poser ça là. Mais ouais, je la trouve très 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 jolie. Elle est vraiment très douce et tout. Elle est ouais, elle est très belle. Et même au niveau du dos, je trouve que ça fait joli. Hop. Après voilà, avec ça t'es obligé de pas mettre de soutif. Après tu peux toujours mettre un soutif, hein, mais moi je suis pas fan. Mais ouais, mettre éventuellement un soutien-gorge invisible. Je sais que ça existe, mais je la trouve très jolie. Après peut-être que, et encore je pense pas, mais peut-être un petit point au niveau de là, mais je la trouve très jolie. Je la trouve très très jolie, et mieux, je me trouve très jolie dedans. Donc ouais, je suis fan. Hop, continue, et loulou, hop, il y a un petit chat qui dort juste là. Donc ouais, la robe, top top top. Et pour information, vous aurez tous les liens en barre de description. C'est cool. Ouh, c'est une parure de lit, ça. Bois. Bon, on va faire la parure de lit après. J'ai pas une autre petite robe, parce que c'est chiant, tu te mets à poil, après tu te mets pas à poil. C'est un peu relou. Ouais. C'est quoi ça? Ouh, une autre petite robe. C'est parti. Hop, alors là, c'était... Il y avait des collègues qui aimaient, il y avait des collègues qui aimaient pas, c'était un peu compliqué de choisir. Donc, vous avez un petit... Une petite ceinture. Et c'est une robe... verte comme ça. Et ça, par contre, la matière, je suis pas trop fan. On va voir porter, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est une matière qui va te coller à la peau. Ah, ce que ça va donner. Allez, c'est parti. On essaie. Moi, je sais pas trop.
J'ai besoin d'avoir vos avis. Il y a une petite ceinture OK qui rappelle en fait le truc du bas. Tu vois, c'est exactement la même chose. Par contre, alors, c'est pas une matière qui va te coller à la peau. Ça, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est le genre de robe pas trop mal. Genre, si tu vas, je sais pas, j'ai une connerie, hein, mais hein, genre en camping, en club ou je sais pas quoi, et qu'après, du coup, le soir, tu t'habilles un peu comme ça pour manger quand t'as les coups de soleil et tout, t'en peux plus de ta vie. C'est plutôt pas mal. Je sais vous dire que je suis chiante, mais tu vois, ça baillote là. Donc, j'essaie d'ajuster le col, mais ça, c'est pas joli si tu fais ça. Ça fait un peu plus joli comme ça. Donc, ouais, un peu mitigé en fait au niveau de ça en fait. Faut que j'ajuste vraiment, voir si ça je peux réussir à le supprimer, mais vraiment je pense que je peux pas. Parce que même si je le. Ou alors je le descends un peu plus au niveau de la poitrine. Ouais, peut-être comme ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Avec des chaussures, ouais, ça peut faire joli, mais. Non, je trouve qu'elle est pas mal, mais c'est juste en fait ouais, ce côté un peu bayou qui me dérange un petit peu. Parce que du coup, ouais, ça fait un peu tablier. Je suis pas, ouais. Non, je suis pas convaincue à 100%. Donc si c'est pour garder dessus que je garde. Que, si c'est pour garder dessus que je vais pas mettre, ça sert un peu à rien. Donc, ouais, pas convaincue. De loin, ça va. Mais de près, ouais, vraiment pas convaincue. Pas convaincue à 100%. Bon, allez, on continue. J'ai pris aussi deux petits accessoires qui changent des vêtements. Donc, j'ai pris en premier une petite housse de. J'en ai pas pris deux. Petite housse de... J'arrive plus à parler. Mais des coussins que je trouvais vraiment très jolis, très très floral. Floral, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est toute douce. Donc, l'autre côté n'est pas du tout. N'est pas du tout imprimé. Mais. Elle est vraiment super jolie. Hop, ça, je vais la mettre directement dans mon canapé pour les dimensions. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était peut-être 40 sur 40. Mais ouais, vraiment très très jolie. Hop, ce petit truc-là, je kiffe. On va le mettre là. J'ai commandé autre chose aussi qui n'a rien à voir avec le high-tech. Mais j'ai toujours pas fait cette vidéo. Faut que je vous fasse une vidéo spéciale sur les écouteurs de chez Shein. Elle va arriver, pas tout de suite, mais elle va arriver. Là, pour information, je suis en train de filmer plusieurs vidéos le même jour. Et là, je me suis pris les dupes, grosso modo, de Apple, mais version 2.0. Si tu vois ce que je veux dire. Et ben là, elle veut pas sortir. Petit coquin, c'est compliqué de le sortir. Eh, dis donc, il ne se laisse pas faire, lui. Hein. Hop. Ah, mais non. Ah si, si je... En fait, je pense que j'ai fait... J'en ai marre de moi. Mais je pense que j'ai fait des bêtises parce que ça, ça ressemble pas du tout aux dupes des AirPods 2. Mais ils sont tout petits. Vraiment très très mignons. Bon, écoutez. Et ce qui est rigolo en fait, c'est que quand tu les recharges avec un câble qui est fourni à l'intérieur, bien sûr, mais sans la base, avec un câble d'iPhone, tu vois. Et ça, c'est rigolo. Et le plus que j'ai envie de te dire avant ma vidéo test, c'est que les écouteurs sont plutôt pas mal et très bonne qualité. Et ceux-là, j'ai même l'impression qu'ils sont encore plus de meilleure qualité que les autres. Donc, c'est cool. Mais je t'en parlerai, les deux écouteurs, je pense, dans une vidéo dédiée à ça. Ensuite, on continue. Alors, est-ce que c'est une robe ? Dis donc, si c'est une robe, j'ai commandé beaucoup de robes. Hein. T'es pas prête. Mais oui, madame. Une autre robe. Oula. T'entends? Le bruit du vent et de la mer. Ok, donc une autre petite robe. Grosso modo, les trucs, je les ai pris soit en 38, soit en 40. Mais pas plus grand. Ok, donc une autre petite robe. Elle est doublée. Et elle est doublée ou elle est pas doublée? Elle m'a l'air un peu... Ouais, doublé au niveau de la poitrine, comme ceci. Robe longue aussi, avec... ce que je t'ai pas dit, c'est que l'autre robe avec une fermeture juste ici, celle-là n'en a absolument pas, avec une petite ceinture et tout. Hop, bah écoutez, on teste. Bon les gars, attention, nichon en vue. Celle-là est très 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 jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, celle-là, si tu mets les talons, je pense pas qu'elle va traîner par terre. Elle est un peu plus petite, un peu plus courte que les autres. Je vous avouerai que là, je mange une raclette. Je suis pas bien, mais après, normal, j'ai pris du 38. Je pense qu'elle est pile poil à ma taille, mais il faudrait juste que je perde 1 kg des épaules, tu vois, parce que si je fais ça, elle me serre un peu, mais franchement, je pense que c'est la taille parfaite, parce que le L aurait été trop grand. J'ai des bêtises, elle est... Si, elle est doublée.
Ok, elle est doublée, mais tu vois, elle est doublée juste au niveau de là. Ce qui gêne pas, en fait, bon, sauf si tu as le soleil derrière toi au niveau des fesses, mais ce qui ne gêne pas, elle n'est pas doublée au niveau de la poitrine, je vous ai dit des bêtises. C'est rigolo parce que ici, tu as l'impression que c'est à l'envers, tu vois, c'est beaucoup moins marqué que là. Après, c'est sûr que voilà, tes nichons, ils sont là. Alors, peut-être faire un point ou deux, tu vois, deux petits points. Hop, ici et ici, parce que oui, c'est clair que qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup la poitrine. Après, c'est pas dérangeant si tu l'assumes, mais moi j'ai du mal, tu sais, quand je regarde comme ça et que je vois Gaspard et Melchior et Balthazar, enfin Gaspard et Melchior, j'ai un peu du mal. Mais ouais, sinon elle est très 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 jolie. Hein. Si tu l'assumes et que t'es comme ça, c'est clair que personnellement, je trouve que tu peux être canon avec ce genre de robe. Hein, je la trouve très très bien. Il y a une fermeture éclair aussi là que ça va. J'ai réussi à passer sans. La petite ceinture est très jolie. Franchement, je la trouve vraiment. Je trouve qu'elle me va bien cette petite robe. Alors, après, voilà, faut assumer. Bonjour, bonjour. Ok. Allez, on continue. On va ranger les nichons. On continue. J'ai pris. Hop, un petit top, un petit top. Oh, le mouchoir m'avait. Pourquoi il y a ça? Mais pas surtout les articles. Je me suis par terre, j'en ai rien à faire. Je suis chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai pris un petit top noir qui m'avait l'air plutôt mignon. Par contre, t'es obligé de le repasser ça parce que c'est pas possible, hein? C'est pas possible, Zarmen, hein? Bonjour la moto. Donc un petit haut classique. Je sais pas si il y a des. Si. Il y a des petits boutons là juste devant. La prochaine commande que je ferai sur Shein, ce sera les basiques parce que j'ai pas de basique basique. Bon allez, on arrête, on va remettre le petit short et on essaye. Bah écoutez, très très bien. Voilà, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Ouais, c'est un petit haut vraiment classique, classique, classique. Qui n'est pas révolutionnaire en soi. Ça donne ça, bon ça. En fait, tous les hauts Shein, hein, j'ai l'impression qu'il faut vraiment les blouser. Mais ouais, c'est vraiment. Hop. C'est vraiment. Est-ce que vous avez vu ça l'été dernier? Ou je sais pas quand c'était là. Je crois que c'était dans. Je vais me marier ou je sais pas quoi, une émission. C'est une robe vraiment. Et ouais, je l'ai re dans la tête. Non, c'est sympa. Voilà, c'est pas transcendant. Après, la finition, elle est pas. Elle n'est pas ouf en fait, s'il y a un truc un peu gênant. Après, faut peut-être le repasser. Mais par contre, c'est doux, c'est mignon. Mais ouais, c'est du grand grand gland. Du grand glan, glan glan. Non, du grand 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 classique. J'ai pris des maillots de bain. Oh, j'ai pris des maillots de bain. J'avais carrément zappé les maillots de bain. Oh, est-ce qu'on serait pas une petite. Non, j'ai envie de rester habillée. J'en ai marre de me foutre à poil tout le temps. Donc, les maillots de bain, ce sera pour la fin. On va faire ça. Donc, j'ai pris un autre petit haut. Oh, encore un petit. Encore un petit truc pour chialer. Donc, un autre petit haut. Alors, la matière est un peu comme la deuxième robe que j'ai essayée. Donc, un petit haut, voilà, un peu classique, mais cette fois noir avec des petites fleurs. Petite fleur de pays, bah, je le trouve très très mignon. Je le trouve très très mignon. Plus beauté que chat. La blague était pourrie, ok. Mais plus beauté. Plus beauté. Non, je suis plus beauté, ça se dit. Je suis plus beauté par celui-là que par l'autre que j'ai essayé. De par la forme, le tombé et tout. Après, c'est pas du tout la même matière, mais voilà, je préfère largement mieux celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'autre ne m'allait pas direct. Alors après, peut-être qu'il y a des vêtements que là je vous dis, oh c'est trop bien et tout, nanana, je garde. Mais au final, que je vais pas garder quand j'aurai le retour caméra et que je vais pas me trouver terrible parce que c'est vrai que là, quand je me regarde dans la glace, je me vois plus de moi à moi. Et là, quand j'ai le retour caméra, bah, je me vois plus avec la version des autres. Tu vois un peu. Même si oui, il faut pas faire attention aux autres, mais tu vois l'idée. Ça arrive que je change un petit peu d'avis. Mais là-dessus, je pense pas changer parce qu'il est très très bien ce petit haut. Ensuite, je crois que ça, c'est un autre maillot de bain. Oh, j'ai pris combien de maillots? Mais t'es pas prête, Gilbert? Ouh là! Ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas bien du tout. C'est un pyjama. Oh le bordel. Ah oui, pour Chine, à chaque fois, vous recevez vos petits articles hein, dans des petits pochets. Dans les petits pochets Chine. Alors. Ok, un autre petit top, classique, basique, mais plutôt mignon. Donc, je suis hâte de voir. Vous me dites à chaque fois que vous voulez des transitions, mais les transitions, je ne pense pas forcément les faire parce que des fois, je vais me regarder dans la glace, des fois, je vais faire ça, je vais faire ci. Donc, des fois, je finis avec une transition
Et en fait, il n'y a plus de transition de l'autre côté. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce petit haut-là, bonjour, on aime le soutien-gorge. D'ailleurs, mon soutien-gorge, il est trop beau. Je l'ai acheté à Kiabi. Trop joli. Bref, trop serré pour moi, je me sens pas à l'aise. Donc ça, je dirais que je vais pas garder. Mais par contre, très joli. Je pense que si c'est pas serré, je pense que c'est toujours transparent. Donc c'est un peu dommage, je comprends pas. Il y a des gens que ça dérange pas, mais une plus grande majorité des cas, ça dérange en fait. Tu t'achètes pas un haut pour que ce soit transparent. Donc ouais, première grosse déception, côté transparent, mais sinon ce petit haut, il est super joli. Il est super joli, mais ouais, trop serré au niveau de là. Peut-être des petites finitions comme ça, qui sont très jolies, hein, et là aussi. Mais ouais, c'est trop serré. Donc ça me serre les bras, c'est pas super agréable. Oh, Mado Beniguet, j'ai pris un jean. Ah, j'ai encore pris un jean, ok. Pourquoi j'ai encore pris un jean? Encore un papier. Ok, bah j'ai pris un... Je sais pas, donc là vous avez des petites finitions comme ça. Il est pas trop ni quoi que ce soit. Pourquoi j'ai pris un jean? Je sais pas. On met plus de jean, pute, c'est bientôt l'été. Je sais pas pourquoi je mets des jeans. Hop. Donc, on va essayer ça. Vous en avez pas moi que je me fous à poil. Alors pourtant, je suis pudique, hein. Mais devant vous, je sais pas. Vous me sortez de ma pudeur. J'allais dire pudicité. Oh, Mado Beniguet, pompe à vélo. Ok, bah écoute. Par contre, les fermetures, à chaque fois, elles sont chiantes. Les fermetures chines, elles sont casse-bonbon. Bah un jean, bah très très bien. Et te dire, je pense qu'il est pile poil à la taille. Je sais plus quelle taille. Icky ! Je sais plus quelle taille j'avais pris. Ah, la poche, par contre, c'est relou, toi. Les poches, elles ont tendance à faire ça, c'est chiant. Mais ouais, un petit jean skinny. Très, très bien. Très, très bien. Moi, je trouve que ça le fait carrément. On valide. J'ai plus de batterie, j'arrive. Donc, c'est bon, vous avez de la batterie. Je dis, j'ai petit jean nickel chrome. Très, très bien. Je me suis regardée dans la classe. C'est juste ce problème de poche, là. Dites-moi pourquoi les poches ont tendance à faire ça. Pourtant, je l'aimais bien, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elles sortent. Est-ce qu'elles sont un peu trop petites? Je sais pas pourquoi ça... Alors, il y en a qui vont dire, tu peux faire un petit point. C'est vrai, j'ai jamais pensé et j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais ouais, ce serait peut-être plutôt mieux. Ensuite, un autre petit top. Débardeur, comment vous appelez ça, vous? Débardeur, top, au choix. Alors celui-là, il est... en ce moment, je mets que des imprimés et je me désole un peu parce que la dernière fois, je cherchais un truc simple, efficace, et ben j'ai pas trouvé dans ma garde-robe. Alors celui-là, il est comme ça. Flex, 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 flex. Au niveau du dos et au niveau du... Il est comme ça, au niveau du devant, il est un peu... On va voir ce que ça va donner. Quelle transition je pourrais vous faire? Je sais pas, je... Je sais pas. Du coup, ce sera une transition pourrie, et puis voilà. Mais celui-là, il est comme ça, donc il est... On s'envole. Est-ce que c'est mignon? Oui. Est-ce que ça fait gamine de 12 ans? Oui. Est-ce que j'aime bien? Oui. Par contre, le seul truc qui est dommage, c'est que... c'est que ça fait ça, regarde. On dirait que t'es grosse du dos. Regarde. Ah, que t'es belle, bim bim. C'est chiant et tu peux pas ajuster les bretelles. Donc même si tu fais ça comme ça, à un moment donné, tu vois, là, ça fait moche, on voit ton soutif. Donc la seule solution, c'est de le porter comme ça. Mais ah, que t'es beau là. Alors oui, tu vas pas dire bonjour Jean-Jacques, est-ce que tu vas bien? Et voilà, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas ajuster les bretelles parce que du coup, tu passes d'un haut super sympa. Alors oui, tu peux faire un petit point. J'ai le temps de faire des points, j'ai une tête à faire des points. Non, tu peux faire un petit point si tu veux, mais du coup, ça casse le truc. Toi, si tu remontes, ça casse un peu parce que t'as ce truc-là qui doit en fait arriver sous les seins. Du coup, t'arrives plus vraiment sous les seins. Du coup, c'est un peu compliqué pour toi. Du coup, peut-être que ce genre de truc, c'est à mettre sans soutif. Mais je sais pas. Mais avec un soutif, ouais, du coup, c'est pas... Ouais, c'est pas... J'aime bien, mais... Mais c'est pas ouf. Donc ça, je vais pas le garder. Voilà, je te le dis clair et net. Je vais pas le garder. Prochain article que j'ai reçu. Ah non, on va essayer ça. Hop, c'est un...
un pullover, un pullover, mais la matière est vraiment, vraiment dégoûtante. Non, 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 c'est pas possible. Je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai pris en 38. Alors là, il fait rêver. Hein. Enfin, sur le site, il faisait rêver. Mais la matière, tu sais, c'est une matière... C'est du polyester ou je sais pas quoi. Elle est où l'étiquette? Voilà, elle est là. Donc, ouais, 100% polyester et spandex. Je crois que c'est le spandex qui fait ça. Tu sais, on dirait un plaid, enfin un plaid, les plaids de chez Action qui coûtent 1€, là, que j'ai mis dans la voiture. Mais ouais, la matière est dégueu. Du coup, on vous coupe juste là et on essaye ça tout de suite sans transition. Mais ouais, là, pour la matière, je suis un peu déçue. Parce qu'en fait, je me dis que c'est le genre de truc qui va boulocher très très vite. Et ouais, c'est pas super agréable. De toute façon, chez moi, il y a tout qui bouloche. C'est un peu compliqué. Après, il est joli, je dis pas, mais dès que tu touches, ouais, c'est chelou. Après, c'est chaud, hein, c'est chaud, j'avoue, c'est pas mal. Mais, ouais, c'est la... Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on garde malgré tout? Mais j'ai l'impression qu'il est un peu petit. Et ouais, la matière me répugne un peu. Après, tu me diras, là, il doit faire 25 degrés, je suis en train de filmer, et je mets un truc en spandex et en polyester. Donc ouais, forcément. Mais, ah, je suis pas fan. Sinon, je le trouve très très joli, hein. Mais, peut-être un peu trop grossier, quoi. Donc ça, ouais, non, je pense pas que je vais le garder. C'est quoi ça? Papa? C'est quoi cette bouteille de lait? Oh, j'ai chaud, les gars, j'ai chaud, t'es pas prêt? Qu'est-ce que c'est, oh? J'ai acheté ça? Encore une petite robe. Ok. Et là, un pyjama sexy. Tapez un pour la robe, tapez deux pour pyjama sexy, et je crois qu'on va partir sur une petite robe. Alors moi, je suis débile, parce que la robe, j'essaye de bien la mettre et tout, et en fait, c'est pas une robe, c'est un... Un combi short. Putain, j'ai un collègue qui a regardé une de mes vidéos la dernière fois. J'ai fait, mais non, pourquoi tu fais ça? Bref, c'est un combi short. Je n'avais pas compris l'histoire. Que je trouve très très joli. Je l'ai pris en 38. Je le trouve parfait. À chaque fois, je dis parfait. C'est pas genre je me trouve parfait dedans, mais je le trouve parfait pour moi. Très très bien. Assez élégant ici. Hop. Par contre, le seul truc un peu dommage en fait, c'est que ici, si t'as des passants pour mettre la ceinture elle est vraiment pas large et c'est une matière qui a tendance à se replier sur elle-même. J'ai du mal à trouver les mots. Et du coup, tu vois, ça fait un peu cracra. Tu vois, le petit passant là, et là aussi. Ça fait. Là, tu le vois bien. Voilà, c'est pas terrible, terrible. C'est dommage. C'est dommage, mais sinon elle est très mignonne. Très mignonne, mais ouais, c'est juste dommage que les finitions en fait ne soient pas parfaites. Après, oui, c'est du Shein, tu peux pas avoir du parfait, bah si. J'ai déjà su que sur Shein qui était parfait. On continue, j'ai pris une autre paire de lit pour changer celle-là. De celle-là, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je vous l'ai dit à chaque fois, celle-là je l'ai achetée quand j'étais enceinte de la chouquette. Je vous l'ai dit à chaque fois, Shein, je trouve que leurs parures de lit, elles sont excellentes. C'est des chouchous de tous les chouchous. Donc là, je me suis laissée tenter par quelque chose d'un peu très ambiance, prout, mémère, tout ce que tu veux. Tu vois tout de suite si t'as la bonne taille, parce que quand t'as la bonne taille, c'est-à-dire la plus grande, pardon, ils sont où les coussins? Je n'ai pas de coussin. Normalement, il te donne deux coussins. Pourquoi j'ai pas de coussin? Je n'ai pas un seul coussin. Et je me disais que l'emballage était un peu différent d'habitude, là. C'est pas estampillé Shein. Mais normalement, j'ai un coussin qui va avec. Ben là, j'ai pas de coussin. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait renvoyé quelque chose et qui avait piqué les deux coussins. Peut-être c'est ça, mais en tout cas, la parure m'a l'air plutôt... je l'achète par la tête. M'a l'air plutôt, hop, sympathique. On va la mettre là parce qu'elle sent un petit peu... Mais ouais, un peu déçue de ne pas avoir les deux coussins, mais je la trouve très très jolie. J'aime bien la couleur. Bon, au pire, tu mets deux coussins blancs et puis ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, j'ai pris un pyjama sexy. Alors, tu vois la matière, c'est un peu matière... torchon de chez Action, les derniers là qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Du coup, on va essayer ça. Mais je vous avouerai
que j'ai très très peur. Watcha ! Bah écoute, Gilbert, moi je trouve ça plutôt mignon. Je trouve ça passe, c'est un peu transparent. J'aime bien ce truc-là. À l'ancienne, là, les shorts. Mais là, c'est juste ce qu'il faut. C'est transparent, c'est clair et net. Ça existait aussi en gris, mais en gris, là, ça aurait fait vraiment serpillière. Mais les petites poches, j'aime bien. Bah, je trouve ça pas mal. Voilà, c'est... Chérie, on va se coucher. Tu pécho pas avec ça. Mais non, je trouve ça agréable, assez agréable à porter en été. Alors, je te parle pas d'un été genre, il fait 40 dans la baraque. Mais mi-printemps, un petit peu chaud et tout, ça peut être... Non, c'est bon, ça passe, je suis valide. Par contre, une tannée, hein, pour faire pipi, t'es obligé de tout enlever. C'est juste noir. J'ai galéré de ouf à enlever la petite combinaison. Hein. Je te raconte pas l'histoire. Ensuite, il y a 3 maillots de bain. Je sais, j'ai pas de maillot de bain. C'est toujours le bordel. Mais là, je j'ai jamais testé les maillots de bain de ces chines. Et vu qu'à chaque fois, les meufs, elles sont en mode comme ça... Et ben, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Est-ce que c'est des maillots de bain que tout le monde peut porter ou c'est des maillots de bain qui sont juste pour les meufs super bien gaulées de ouf qui font 1m70, tu vois, est-ce que ça s'adapte ou pas à une morphologie classique, on va dire. J'ai pris en L pour la majorité des choses et là déjà j'ai l'impression que je sais pas, mais ça me fait peur. C'est parti, éloignez les enfants, vous allez voir, plus en maillot de bain. Mais vous avez l'habitude. Ça commence bien, on n'est pas prêt. Alors, autant te dire, Gilbert, ok, j'ai les poils du maillot qui repoussent. Hein. Je ne vais pas raser alors que ça repousse parce que là, je vais m'éclater la peau. Donc voilà, si tu vois que c'est un peu foncé de ce côté-là, c'est que ça repousse. Mais bref, ok, donc c'est parti. Et puis là, je voulais te montrer que... Oh, le bruit du... le bout de la protection hygiénique. Voilà, au niveau des fesses, ça va encore, mais il est vraiment très compact. Ce qui fait que c'est chelou. Non, en fait, c'est qu'il est échancré, mais là, il est tellement échancré que ça fait mal, en fait, au niveau des... Alors, tu me diras, ah, mais tu peux toujours baisser ça. Ok, tu peux toujours baisser ça, mais je sais très bien que même en baissant, ce sera quand même échancré. Tu vois un peu l'idée. On voit mon pli de pliure, tu vois, que quand je fais ça, il y a mon pli, et ben là, on le voit. En plus de voir mes poils. Donc, ouais, beaucoup trop échancré, et ça me tire, en fait, sur les épaules. Donc, pourtant, il est joli, hein. Rien à dire, mais... ouais, je me sens pas à l'aise dedans. Puis le côté échancré, là... Bonjour, la meuf avec ses poils, c'est dégueulasse. Ensuite, un autre maillot de bain. De toute façon, je vous ai dit, on aurait plusieurs. Celui-là était super joli, mais pareil, je pense, de toute façon, une fois que tu as un problème avec un maillot de bain, je pense que tu as le problème avec tous les maillots de bain. Je l'ai pris en L, je sais plus à quelle taille j'avais pris l'autre. Comme ceci, mais tu vois, il fait vraiment, vraiment petit. Alors là, c'est aspect. Alors après, torchon, là, c'est truc, tu sais, pour faire les vitres. Ah non, il est à l'envers, il est comme ça. Là, t'as... Si t'as une coque, là t'as aussi 2 coques totalement rondes. Mais écoutez, en avant, guingant. Vous allez vous dire que j'ai des problèmes, hein. Vous allez grave vous dire ça. Celui-là, je suis pas convaincue pareil, parce que tu cours trop, ça te rentre dans les fesses, et puis là c'est fini. Hein. Et beaucoup trop échancré au niveau des fesses. Et j'ai un problème, vu que la matière est... tu vois un peu la matière comment elle est, tu sais, ça a tendance à faire des traits... comme ça. Et moi, il y a un truc que je déteste, je sais pas si t'as vu Charlie les drôles de dames, c'est quand ça te moule la vulve. Je vais chercher un mot. Quand ça te moule la vulve. Et là, du coup, avec les traits, si de peu qu'à un moment ça te rentre dans la vulve, dans la chatoune, et ben, ça fait vraiment moulage de vulve puissance 2 avec les lignes qui sont de ce côté-là. Donc voilà, pour le côté moulage de fouf... Et le côté rentrage dans les fesses, celui-là, je vais pas le garder. Je vais pas le garder. La meuf, elle a tellement des problèmes. Ensuite, j'ai pris un joli rouge. Et j'espère ne pas être déçue. Et j'en ai marre que vous mettiez des coques rondes dans quelque chose qui est triangulaire. Ça commence à me casser les cocougnettes. Donc, alors, celui-là, j'ai pris en L. Celui-là, je l'ai pris en... Elle aussi, maillot de bain très 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 joli, un peu effet parachute devant. Bah écoutez, là c'est parti, on va faire. Now and again in a bit, now it's gonna be alright. J'arrive, Brandon, je vais faire du bouche à bouche. Donc,
toute façon, plus la vidéo passe et, moins je suis, et plus je suis intelligente, on va dire. Ce petit maillot de bain là, bah écoutez, nickel chrome. Celui-là, il est nickel chrome. J'ai pas de problème de rentrage de fouf ou de rentrage de fesses. Il est très, 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 très bien. Par contre, en fait, je le trouve, vous allez me dire, je suis quand même en con, mais je le trouve vraiment. Vraiment, j'en ai marre de dire vraiment, mais très sage. Je sais pas, il manque un petit truc et je trouve qu'il est comment dire, qui tasse un peu. C'est peut-être ce côté là qui... En fait c'est un maillot une pièce hein, sauf que là t'as une petite petite bande, c'est pas, peut-être pas assez décolleté. Je sais pas. Mais je le trouve très joli. Hein. C'est le genre de maillot de bain que je pourrais prendre éventuellement pour faire une sortie à Aqua Boulevard ou genre de choses, tu vois, avec des collègues, parce qu'il est sage en même temps un tout petit peu côté sexy. Mais vraiment très, très 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 léger. Voilà, j'aime bien. Il est, celui-là, il est très très agréable à porter. C'est le meilleur des trois que j'ai essayé. C'est clair et net. Et du coup, encore un maillot de bain. Alors ça, j'ai pensé à Beetlejuice. Par contre, oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que les coques, là. Coques, elles ne servent strictement à rien. Elles sont chiantes, parce que quand je les ai mis, elles étaient là. Et bon, avoir tendance à se barrer dans tous les sens. Ah non, les coques, elles sont super chiantes. Et tu limites, ça te pète la forme de ton maillot. Donc ouais, faut les réajuster comme ça. Parce que tu vois, si tu fais pas gaffe, ça fait ça. C'est pas joli. C'est peut-être ça, en fait, ce que je trouve... pas terrible, mais ouais, les coques elles sont, faut mieux ne pas les avoir, ça fait pas terrible. Bref, j'ai pensé à Beetlejuice quand j'ai voulu choisir ce maillot. Par contre celui-là, niveau échancrage, hein, t'es pas prête hein. Et c'est rare de trouver des lignes comme ça, tu trouves souvent des lignes comme ça mais pas des lignes comme ça. Donc là c'est parti, Beetlejuice, je crois qu'il fait très 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 peur. Attends, transition. Si je te fais le truc, ça va pas le faire, parce que là, c'est plus du rentrage de fessard. C'est rentrer dans le fessard. Je sais pas comment les gens... c'est pas une question d'assumer, t'as un gros cul, t'as un petit cul, t'assumes ou pas, mais c'est désagréable, en fait, que t'es... Enfin, après, peut-être une fois passé 30 ans, les strings, t'as du mal, mais moi, je peux plus. C'est chiant, parce que quand c'est entre le string et pas le string... C'est ce qu'on appelle le tanga aussi, mais là, tu sens que ça va rentrer dedans. Donc, non, sans prévenir, comme ça, c'est pas super agréable. Bref, au niveau des fesses, du dos, ça donne ça. Ok, voilà, les fesses, hop, elles sont là. Bonjour, on adore. C'est comment, là, le décolleté? Tu pouvais pas le mettre aussi au niveau du début de la vulve? C'est décolleté de ouf. Et je trouve ça pas super joli, le décolleté, parce qu'il s'arrête pile poil comme ça. Je trouve pas ça, voilà, je trouve pas ça super beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve pas ça. Voilà, je trouve ça pas très 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 joli. En fait, ça aurait été bien si le décolleté. Bon, désolé, je vous montre mes nichons, mais que le décolleté, il se finisse en croisé, tu vois, tchouk tchouk, plutôt que de faire une barre là. Donc, je suis pas convaincue. Et je vais pas le garder, parce que tu vas me dire, je pourrais faire un point. Parce que déjà, le décolleté, il est trop grand pour moi. Je pourrais faire un point, mais il est trop. Pareil, il est pas assez large pour moi au niveau du buste. Enfin au niveau du tronc, je sais pas comment on dit, mais ouais, donc je vais pas le garder, je vais pas le garder pareil. Du coup, les gars, on se pose et je vous donne un petit peu mon avis et je vous parle surtout, je suis là, des choses que je vais pas garder, qui sont d'ores et déjà sûres pour le moment. Je vais pas garder les trois maillots de bain, le seul que je vais garder c'est le rouge en mode alerte à Malibu. Je dirais que je suis toute nue, quoi, c'est compliqué. J'ai pas gardé le petit haut là, qui finalement, celui-là, hop, celui-là qui était comme ça, c'est sûr que je vais pas le garder. J'ai pas gardé le petit haut comme ceci qui faisait un bourrelet au niveau du dos. Le truc Los Angeles, très très joli, mais la matière, je suis vraiment pas fan. Et le petit top là, hop, je vais pas le garder non plus. Donc voilà les loups, du coup là c'est les articles que je vais mettre sur mon vitrine. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de les mettre dans un temps concomitant en même temps que je fais cette vidéo sur Vinted. Dans tous les cas, c'est sûr, normalement, qu'ils seront déjà sur mon Vinted. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez les avoir à 1€. On va voir comment ça fonctionne avec cette façon de faire. Et ensuite, si ça fonctionne pas bien, on retournera à la méthode d'avant où je mets rien sur Vinted et où c'est vous qui m'envoyez un message pour me demander est-ce que c'est toujours dispo, est-ce que c'est toujours dispo, et je ferai un tirage au sort. Voilà les loulous. Moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là, à côté du chat là, qui est un autre unboxing Chine. Merci encore à Chine de faire un partenariat avec moi. N'hésitez pas à vous abonner juste là.
plein de bonnes choses, plein de bisous et à très 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 bientôt, ouh, dans une prochaine vidéo. Ah.